Bonjour, c'est Gadi, bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 12 du Let's Play de Astro Colony en compagnie de Rick. Coucou. Il est où, Rick? Bah, je suis là. T'es en rouge? T'es en rouge à regarder dans le vide, là, c'est pas ça? Non, je suis au-dessus. Bah, toujours dit que t'as la même tronche. Et toi, alors? Oui, c'est vrai qu'on a tous la même tronche. On est tous clonés. Oui, on est tous des clones, effectivement, c'est possible. Oh, je suis en train de bosser là-bas, je suis en train de faire une nouvelle mine à charbon. Alors, oui, alors... Tu consommes beaucoup de charbon. Pour les viewers, il y a un truc qui est super urgent qu'on va faire là maintenant tout de suite parce que ça va permettre de débloquer des choses pour plus tard. C'est la science de l'espace. Alors pourquoi on vous dit la science de l'espace? Parce que vous avez vu qu'hors vidéo on a fermé beaucoup de biologie, de sciences de la chimie, sciences de l'ingénieur, du coup il y a assez. Hein. On va arrêter la science de l'ingénieur. Je vais vous montrer l'installation aussi. Je crois qu'on en a 8 d'avance, je crois, la science de l'ingénieur. J'ai compté le nombre de points qu'il nous fallait en fait pour terminer. Et jusqu'ici, alors à moins qu'il y ait une mise à jour évidemment qui nous foire tout. Mais on en a 8 d'avance. Donc c'est pour ça qu'on arrête de les fermer. Sciences de la chimie, ça on n'arrête pas. Et biologie, on n'arrête pas non plus. Et normalement tout est automatisé, ça on n'a plus qu'à attendre. Et tout arrive sur les tapis. Bordel, là. Tout est automatisé là. Alors, attends, là-dedans, il y a quoi là-dedans? Il y a plein de barres, là, il y a plein de trucs, de glace et tout, là. Tout est normalement automatisé, effectivement. Alors, pour le... Oui, par rapport à la dernière vidéo, parce qu'on va y aller vite, quand même. Ça, c'est la bouffe qui est là. Donc, j'avais fait tout un système, etc., avec une cuisine qui était pourrie, hein, on l'a déplacé un petit peu, mais voilà. Et ici, en fait, on a fait un tapis qui le ramène directement, en fait, à la base. Sachant que là, on n'a plus de flotte, tiens. Ah oui, parce que du coup, oui, bah oui, parce qu'en fait, là, t'as augmenté le nombre de fer. Bah ouais, t'as augmenté, mais sauf qu'en fait, du coup, on a plus assez. Bah, c'était bloqué à 1200, on en perdait parce que l'autre continuait de produire et ça était capé à 1200. Donc j'ai agrandi les bassins, j'ai rajouté du people. En tout cas, tes tuyaux sont très très bizarres. Hein, parce que là, en fait, il y a un tuyau, là, il y a un double tuyau qui est là aussi. Bon, je vais passer là. Ça, c'est parce qu'il faudrait que je refasse tout. Là. Bah oui, je pense que on a fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Je pense en installer un deuxième brise de glace. Mais en tout cas, ça marche du feu de Dieu. Et pour le farm, je vous en parlais il y a quelques secondes parce que ça, c'est super long. C'est ici. Ici, en fait, il y a des machines, comme vous voyez. Et en fait, elles vont toutes farmer du charbon. Pour avoir du charbon, là, des fameux trucs de charbon. Comment ça pète déjà les trucs? Attends, c'est ici. Pour faire là, des fibres de carbone, les fibres de carbone nous servent exclusivement à débloquer les sciences de biologie. Pas exclusivement, ça sert aussi à d'autres trucs. Pour le moment, en tout cas, ça nous sert exclusivement à la biologie. On va dire ça. Donc, c'est pour ça qu'on en forme énormément, et c'est pour ça que vous voyez... Alors, j'ai fait le compte vite fait, hein, je vous le dis, hein, on a besoin d'environ 640. J'ai compté vite fait, j'espère ne pas me planter, mais moi, bon, à la louche, non, c'est ça. Hein. On en a que 288, et vu le temps que ça met, je peux vous assurer qu'on a intérêt voilà, à s'y prendre à l'avance. Et là, on a encore 20, mais en fait, là, on a plus d'oxygène. Donc, problème réglé. Et l'oxygène, on en produit, mais sauf que la machine d'oxygène, il faudrait en recréer une, Rick. Si on a d'autres flottes, si on a d'autres trucs, là, il faudrait recréer une machine d'oxygène. Ouais, justement, je voulais t'en parler tout à l'heure. Ah bah, parce que là... Oui, enfin bon, il y a ça aussi à faire. Mais bon, au pire, c'est pas trop gênant, vraiment le plus long. Parce que, en fait, ce qui se passe, les viewers, c'est que on peut en prendre 4, hein, voilà, 4, et ça se fait en 28 secondes. Bon, une trentaine de secondes à la louche, hein, voilà. Donc, en fait, au bout d'une minute, déjà, on pourrait en avoir 2, mais ça nous aura consommé 8 fibres de carbone. Donc, déjà, les 20 qu'il y a là, en fait, c'est 2 minutes 30. Donc, en fait, pour nous, c'est pas du tout un problème, en fait, d'avoir plein d'oxygène, en fait, enfin, de manquer, on va dire, d'oxygène. C'est plutôt, en fait, la fabrication de fibres de carbone qui est prioritaire. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, comme je disais, c'est de débloquer les sciences d'astrophysique, de sciences de l'espace, voilà, qui est là. Donc, on va le débloquer maintenant, ça, c'est fait. Et donc, à partir de maintenant, on va pouvoir farmer aussi là-dedans, parce que c'est pas plus coûteux, hein, je vous rappelle, les viewers. Plus on accumule le nombre de recettes, en fait, c'est pas plus coûteux. Donc, on va le faire. Biologie est en cours. Espace, on va le mettre en cours aussi. Vu que c'est pas les mêmes ingrédients, on peut se permettre. Hein, ils vont pas se bouffer les uns les autres. Et donc, du coup, on a besoin de cartes mères et de barres d'aluminium. Alors, les barres d'aluminium, c'est pas un problème parce qu'on les a farmées en automatique. Et normalement, ici, il y en a 508. C'est pas non plus extrême. Enfin, il y en a. Même si après, j'ai l'impression qu'on a farmé en fait beaucoup de trucs à côté, notamment des plaques et des tiges. Ah non, c'est du titane ça. Ça, c'est du titane, les tiges. Les plaques d'aluminium, par contre, là, on a que 508 lingots d'aluminium. Ça me paraît assez faible. Ouais, si on en a pas ailleurs. D'ailleurs, là, il y a des choses très bizarres. Là, bah, l'aluminium, non, on a plus de stock. Faut que j'enlève ça. Et ça aussi, les plaques en fer, parce que là, ça se stocke. Mais en fait, parce que là, c'est l'acier sur cette planète, il n'y a pas d'aluminium. Je vais faire ça ici. Je vais le mettre ici. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire ou pas, mais... Bah là, ça veut dire qu'on faut qu'on aille chercher de l'aluminium alors parce qu'on. Ah, c'est le titane, ouais. Bah, quand on aura fait le vaisseau, on ira sur les autres planètes chercher l'aluminium. On va avoir un autre problème. Là, j'en mets un, ce qui est en trou ici, hein, les viewers. Bah non, d'ailleurs, on n'a pas placé de récolteur d'aluminium. C'est possible. On aille sur un autre planétoïde. De toute façon, va falloir qu'on en cherche, mais pour le moment, on n'a pas besoin. Vous savez bien, les viewers, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de tant que ça. Ce qui nous
ce qui compte par contre, c'est qu'on ait des cartes mères. Les cartes mères se font au RIC, parce que du coup, j'ai même pas regardé la recette, je sais pas comment on fait. Alors, bah du coup, bah non plus, puisque tu viens juste de le débloquer. Ceci dit, les viewers. Ah ouais, d'accord, c'est, d'accord, je pensais que t'étais. Ah oui, c'est, en fait, bah c'est non. Des trucs qui sont à l'intérieur. Oui, ouais, d'accord, ok. Bah, c'est dans le manufactureur. Ok. Là, tu peux donc les là-dedans... lancer, t'as déjà 63. Ce sont des parties électroniques, parties d'accord. Électroniques. Ouais, exact, ouais. Je les ai rassemblées parce qu'en fait, elles étaient dans le coffre et je les ai remis dans la machine. D'ailleurs, elles ont dû se revider, j'imagine. Bon, bref, c'est ça qu'il faut activer. Ça, on en a besoin, donc en fait, il faudrait que je laisse allumer parce que pour le moment, on s'en sert pas d'eau pour faire autre chose. Hein. Ouais, donc, il faut que ça aille dans le manufactureur, donc voilà, j'ai réparé le truc. Par contre, juste problème, alors pour les viewers, je vous le dis tout de suite ce qu'on va essayer de faire, justement hors vidéo, quand on va couper, on va essayer de débloquer en fait cette partie-là, je vous le spoil déjà un petit peu, mais c'est la partie, on va dire, espace, donc le fait de pouvoir naviguer, le fait d'avoir un ordinateur, des moteurs avancés, on a besoin, vous avez vu hein, à chaque fois de 12, donc là 12, 2, là il y a besoin de 3, là il y a besoin de 12 aussi, donc en fait on a besoin de 12, déjà 12 plus 2, plus 12. Plus 12, déjà il y en a 36, hein. Puis une bêtise. Non, là c'est que 2, excusez-moi. Donc 26, on a besoin de 29. Mais le problème c'est que pour en faire 29, c'est 4. Donc en fait on a besoin de 116, si j'ai pas de bêtises, carte mère. Et 116 lingots aussi, mais les lingots c'est bon, on les a. 116, et on est large, on en a un 500. Mais par contre là, ces composants-là on les a pas. Donc du coup, faut continuer à les fabriquer, et c'est ce que tu fais, sauf qu'on n'a pas assez de vis en acier, etc. Donc du coup, on va farmer hors vidéo, les viewers. Et puis on va se reprendre dès qu'on aura suffisamment pour poursuivre, parce que sinon ça va être super long. Et du coup on se fait une ellipse et on se reprend pour vous de suite. Allez ellipse. Voilà, on se reprend, donc du coup on est en compagnie de TVH qui nous a rejoint. Ouais. Qu'on fermait. Dans le froid et la chaleur de l'espace. Du coup on a obtenu donc plus que les 29 points que je vous avais promis, on a obtenu 33 parce qu'on sait jamais. Après ceci dit, on a des points de côté, hein. je vous le dis, il n'y a pas de problème, on peut faire, il y a des cartes mères ici au cas où, il y en a 30, sauf que les cartes mères vont nous servir normalement pour faire autre chose, c'est pour ça que on les met de côté. Et donc du coup, si je reprends l'arbre, là on était rendu donc ici, vaisseau spatial, alors on va débloquer tout ça, hein. Vous savez quoi, l'Advance Zoking, on va le faire maintenant, c'est débile de ne pas le faire, hein, parce que c'est que des points de le premier truc, de sciences de base, on a 2700, donc on va le débloquer maintenant. La décoration c'est pareil, hein. C'est cadeau, d'ailleurs c'est une porte et une écoutille. Bah, pourquoi pas. Et on va débloquer surtout cette partie-là. Donc le vaisseau spatial, l'ordinateur et les moteurs avancés. Normalement on peut, il nous en reste 7 blocs, c'est ça. Donc là ça va en prendre 3 avec la navigation. Voilà, et puis après le reste, à 4, si on peut débloquer ça aussi, on peut débloquer les électroniques. De toute façon on est obligé de passer par là, c'est pas compliqué. Donc autant le faire, voilà. On va s'arrêter ici pour le moment. Voilà, déjà vous voyez qu'on est, on n'est plus qu'à 5 colonnes de la fin, hein, donc ça va super vite. Hein. Pour le sillage, ça c'est pour les arbres. La colonie d'origine, on va l'utiliser aussi un petit peu plus tard, mais peut-être pas maintenant, parce que là sinon on n'est pas rendu. Donc objectif pour le moment, puisqu'on a débloqué les parties, la science de l'espace, peut-être qu'il faut en profiter pour faire les ordinateurs, par exemple. Alors les ordinateurs qui nous serviront à quoi? Je ne sais pas, ils vont nous servir. Et surtout la navigation, c'est pas compliqué, la navigation a besoin d'ordinateurs. Voilà, comme ça c'est fait. Et on pourrait avoir un pilote potentiellement automatique, mais ça faudra avoir ça aussi. Les moteurs avancés aussi de la même manière, hein, pour faire des propulseurs plasma, donc... Et puis aussi, faire le vaisseau spécial. Alors par contre, comment on fait le vaisseau spécial, parce que... Spatial, pas spécial. Non, il est spécial, parce qu'en fait, on sait pas comment le faire. Donc il est spécial, non? Je sais pas. Si, tu l'as en recette. Je l'ai en recette, alors c'est-à-dire? Dans le hangar. Tu peux le crafter dans le hangar. Et le hangar, il est où? On l'a fait le hangar d'ailleurs. Le hangar on l'a. Tu te rappelles pas de... Ah oui, le hangar avec les véhicules. Ouais, alors c'est pas un hangar, c'est un spawner à véhicules, j'appelle ça. Ça s'appelle hangar. Bon, ok. Et donc là-dedans, normalement, on peut fabriquer le vaisseau spatial, effectivement, avec une seule carte mère. Ouais, mais c'est, en fait, c'est la base, en fait. On a que la base. Ouais. Alors, je sais pas si t'avais fouillé un petit peu dans le truc. T'as une option pour paramétrer, enfin pour modifier les vaisseaux à ta guise. Hein. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par une option ? Il y a un pattern de base, et après tu peux les customiser à ta guise. Alors, je sais pas de quoi tu parles en fait. Il faut peut-être que j'aille voir peut-être, non ? C'est peut-être mieux. Oui, c'est peut-être mieux. Oui, on va faire ça. Il faut que j'aille dans le hangar, c'est ça ? Et c'est dans le hangar qu'on va pouvoir customiser dans conception ça. Véhicule, voilà, tu fais F. Multiplayer not yet supported. Ah bah... Attends, que toi tu peux peut-être le faire. Mais... Attends une seconde. Pour fabriquer des vaisseaux, c'est pas supporté que. Si, mais pour customiser. Ah d'accord, ok, ça me rassure. Bon, en tout cas, les cartes mères, on a largement assez, on va pas utiliser. Non, tu fais E sinon dessus, puis tu fais fabriquer, je viens de regarder.
Ok, donc je les fabrique. C'est bon. Attends, j'en mets une déjà dedans. Comme ça serait bien avec les bons composants. Ouais, j'ai le Attends, bon... t'as un hoover dessus, ça va peut-être gêner, non? Bon, non, il va sauter le hoover. Ouais, bah oui, justement. Attention, c'est parti. On recule, on va regarder ce qui se passe. Commence à chaque fois. Bah, je lève la tête quand même, c'est beaucoup mieux. Ils sont censés crafter là? Il y a quelque chose qui se passe, j'ai même pas regardé le temps qu'il fallait en fait. Il y a 30 secondes, et même pas la moitié. Ouais, bon, on va attendre justement, gentiment les 30 secondes pour qu'ils nous accouchent de notre beau bébé. Allez, attends, c'est moi ou le temps passe super doucement? Ah, c'est bon, il est arrivé. Ouais, alors c'est un petit vaisseau. Ouais, je m'attendais quand même à un truc un peu plus stimulant. Enfin, c'est pas grave. On va pas pleurer non plus. Et ben, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Tu es prêt? Enfin, est-ce que ça, je sais pas en fait. Est-ce que t'en as lancé un pour moi? Ah, c'est un chacun? Ah oui. Ah merde, ah, ben non. Alors du coup, dans ce cas-là. Alors, je le mets en construction, c'est bon. T'as la carte mère avec toi? Ouais, vas-y, bah monte dedans pour libérer la place. D'accord, ok. Il y a qu'une place, hein. Et ça consomme rien? Je me rappelle pas. Poum. D'accord. Poum. Comment on tire? Tire pas. Alors, attends, là, le pire c'est que. Oula. Ce que je fais là, ce que tu vois que je speed là, tu l'as déjà essayé ou pas le vaisseau? Je l'ai essayé pendant la bêta, mais. Alors, parce que là, il y a un shift, hein, on peut aller encore plus vite. Impossible à contrôler, un autre joueur contrôle le dispositif. Tu peux descendre Ouais, donc c'est ça. Alors, par contre, il y a un truc qu'on a vérifié aussi, les viewers. Enfin, ça, je sais plus si on l'avait fait en vidéo avec les hoovers. Les rovers, pardon, les hoovers. C'est que si je sors, en appuyant sur A, excusez-moi, voilà. Vas-y, monte dedans. Voilà, c'est bon, dedans. Et après, je peux aller dans le mien, voilà. Et là, tu vois, on peut le piloter à deux. Je pense que c'est un bug. Alors là, c'est ce qu'on appelle être collé au siège. Ouais. Alors, attends. Faut qu'on retourne sur... C'est Pretoria, la première planète. Attends, tu veux carrément retourner comme ça, là? Ouais, avec ça. Non, on n'a pas de RP. On va chercher les ressources. Sélectionne Pretoria. Ok, alors... ok, pourquoi pas, vas-y. Bah, Pretoria, vas-y. Là, okay. Tu l'as sur... maintenant, tu la vois? Je mets un petit truc là-dessus, ouais, ok. Ok, on y va. On n'a pas besoin d'oxygène, y'a rien, là. Rien du tout. Enfin, je vois rien, en tout cas. Ça consomme pas aussi. Ok, alors attends, elle est où? Il y a notre bouteille qui diminue, mais... Attends, où c'est qu'elle est? Non, la bouteille diminue. Ouais, elle diminue. La bouteille qui clignote, donc ouais, elle indique bien que quelque part... Elle diminue. C'est parti, je suis parti, moi. Ah bah oui, bah je t'attends. Bah tu me dis c'est bon. Ouais, ok, c'est bon. Je suis derrière toi, c'est bon. Ah non, j'attendais... Et comment on ouvre la porte des étoiles? Enfin, le... La porte des étoiles. Voilà, regarde ça, on y est presque. On va à combien là en fait là? C'est dommage qu'on n'ait pas la vitesse. C'est dommage qu'on n'ait pas une vue intérieure. Ce serait classe, imagine la vue intérieure avec les manettes et tout là. Ah ouais. C'est pour ça qu'on était vraiment pas loin. C'est vrai que là en vaisseau, tu vois, c'est quoi? C'est 20 secondes? C'est beaucoup mieux qu'avec notre base, hein, mais bon. Que. Alors, par contre, là, ils ont un problème de courant. Hop, ils ont plus de courant, regarde. Tout est éteint. Ah, j'ai pas pu. Tout est éteint. Tout est éteint, y'a plus de charbon? Ouais. Bah ouais, c'est ça. Bah, c'est en circuit. Bah, c'est parce qu'il y a plus de charbon. Après, sur la planète. Oui, après ça veut dire qu'il y a plus. Oui, c'est ça. Bah, ça veut dire qu'on a consommé aussi tout le charbon. Ah merde. Il y avait quoi à ramasser? Bah, tout ce qui okay. Est dans ah, le oui, ça va, il y a des lingots. Il y a 1000 de chaque. Ouais, 1000 de chaque. Bon, c'est déjà ça. Ok, par contre, on n'a pas de charbon, okay. C'est ça qui est dommage. J'aurais bien voulu garder le charbon, moi. Ça, c'est con, par et contre. Et là, il y en a un autre de coffre. 2500 cuivres. Ah oui, quand même. Il n'y a plus du tout de. Oh, ils ont tout miné, hein. Regarde ça. Ils ont tout miné, ouais, c'est bien, ça gère vraiment comme si on est... Tu vois, je pensais que ça aurait été déchargé. Et ça, c'est plutôt bien fait, c'est que... Il reste une mine de fer. Et vu qu'ils avaient plus de... Charbon, ouais. Ils ont pas pu la faire. Non, il y en a deux, et une mine d'uranium aussi, là. Ouais, l'uranium, il ramasse pas ça. Ouais, mais l'uranium, on peut pas le miner. Bon, voilà. Je le minais à la pompe. Bon, on démonte tout. Tu veux démonter tous les appareils qui sont là? Ah ouais. Alors, attends, parce qu'on va pas pouvoir tout porter, moi il me reste que deux emplacements. Je vais prendre les réacteurs au carbone et les mines. Juste pour info, moi je peux prendre tout ce que je veux parce qu'en fait je suis arrivé à poil. J'ai toujours les poches vides. Dans ton recyclage? Ah, par contre là... Dans le recyclage, parce que j'ai plus que deux slots. Ah, dans le recyclage. Donc je vais prendre tout ce qui est câble, réacteur à carbone et les mines. J'ai 4 slots, moi.
Ok. Bon, bah, c'est pour ça que j'aimerais bien vider ce que j'ai dans mon putain de... Bah tiens, j'ai un crash. Ah, c'est vrai ? Ouais. Bon, bah, dans ce cas-là, on va se faire... Unreal, là. Et bah, dans ce cas-là, on va se faire un ellipse, les viewers, et puis on va se reprendre dès que Rick est à nouveau in-game. Allez, ellipse ! Voilà, on se reprend. Alors, du coup, on a ramassé hein, tout ce qu'il y a sur la planète. Hein. On vous a épargné ça, donc normalement il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Voilà, c'est juste une terre stérile du coup, parce que toutes les ressources, bah, elles sont toutes bouffées. Il reste juste là le dock, là. Moi ce que j'aimerais bien en fait, c'est transformer la planète, la bouffer totalement en fait, garder la terre. Ça super bien, parce qu'en fait on a plus... Ouais, mais là, on peut pas automatiser malheureusement les drones. Ah, ça par contre on a un problème. Ils ramassent même pas la terre quand ils minent. Un autre joueur contrôle le truc, donc descend maintenant. Ah. Non, c'est à mon avis, c'est voilà. Donc maintenant je le fais, vas-y, et toi tu pourras aller dedans, vas-y, essaye. C'est bon. Tu vois, donc c'est, en fait c'est pas une question de qui héberge le truc ou pas, c'est juste une question d'ordre. Donc c'est tout à fait faisable, en fait c'est juste un bug. C'est clairement... Alors là, j'avance de biais là, je sais pas pourquoi, la caméra que... elle est partie en biais là. Bah moi je te suis parce que j'ai pas mis de plan. La caméra reste fixe en fait, là quand tu montes. Je regardais. Oh, attends, non, je... Ah bah bon, il reste pas fixe. Je regardais sur le côté, bah du coup, mon avion va de biais. Enfin, mon vaisseau va de biais. Moi, je vais tout droit, donc. Elle est où cette planète là, en l'occurrence? Parce que là, je sais plus du tout ce que c'était, Louisteros. Louisteros, bah sinon, tu me suis. Ouais, je te suis, parce que là, je suis à fond. Hein. Je vois ton icône là, mais. Je sais plus du tout, c'est la petite planète. Ah oui, avec les arbres là, c'est là. Ah oui, c'est la deuxième planète sur laquelle on a été en fait. Ouais. La première c'était celle-là en fait, bah oui c'est la deuxième, bah oui c'est ça, je me rappelle maintenant. Et là-bas en fait on n'a rien trouvé. Si, on a de l'aluminium. Non, sur le... Il en reste un petit peu d'ailleurs. Attends, une seconde là, t'arrives, ouais c'est bon, ok. T'es bien là. Là ici, y a pas des choses à miner là aussi, là, ça fonctionne pas tout seul ici là? Si, bah là ça y est c'est fini. D'accord, mais ils ont pas de problème de courant. Pourquoi? Non, parce qu'ils sont sur panneaux solaires. Ah oui c'est vrai, ah, voilà, ok. Donc ils ont quoi? Ah oui d'accord, ils ont de l'or sur eux. Ils ont de l'or dans les... Le dépôt d'aluminium qui reste, c'est ça. Voilà. Alors, il y a des... Oula, attends, la pente, c'est une machine là qui est... Ok, alors je prends le cuivre. J'imagine que les tapis vont... Non, les tapis, non. Il y a un truc qui est bouché. Qu'est-ce qui est bouché? Ah oui, c'est là qui est bouché, bien sûr. Oui, c'est pour docker le vaisseau. Oui, ouais, c'est pour ça que c'est... J'aurais dû mettre un coffre, en fait. Sinon, au lieu de retirer les trucs, mets un coffre à l'arrivée. T'en as sur toi. Oui, c'est vrai que c'est pas con aussi. Alors, tu mets un coffre, ils vont se vider dedans les et comme ça, c'est voilà. Ça. C'est un et comme tu retires que les ou alors tu fais une dérivation. Mais attends, par contre, pour le positionner, ça va se faire chier ça. Non, pose-le ici, on va poser des tapis à côté. Pose-le par terre. Ah oui, d'accord, oui, ok, carrément, ouais. Après, on s'en fout, sinon on ramasse à la main. Hein, alors là, s'il y a que ça. J'essaie de les mettre bien pour que tu puisses. Voilà, comme ça par exemple. Ça voilà. On a de la place. Là, ceux-là, ouais. Je vais les retourner. Voilà. De toute façon, il faut qu'on ramasse tout aussi à part ça. Alors les mines, c'est toi qui vas les ramasser, les panneaux solaires aussi, c'est toi qui vas les ramasser. Est-ce qu'on a autre chose à part ça à ramasser? Attends, une seconde. Qu'est-ce qu'il y a dedans déjà? Parce que là... L'aluminium, à côté de la foreuse. Toi, t'es vide. Toi, t'es vide. Et toi, là-bas, t'es vide aussi. Voilà, nickel. Et tu me dis qu'à côté, là-bas, à côté de la foreuse, il y a un aluminium? Ouais. Il y a un aluminium, effectivement. 137, qui reste à miner. C'est que dalle. Ah oui, effectivement, on peut miner ça à la main, ça, c'est pas la mort. Ok, et puis il faudra ramasser aussi la mineuse. Alors du coup, on va rapatrier tout ça. Du coup, il y a deux planètes qui sont stériles, quoi. Tu vois, on aurait pu couper les arbres aussi au passage. On peut, mais on n'a pas débloqué. Si tu les débloquais. Si, mais le problème c'est que c'est pas fait pour ça. La sylviculture, en fait, c'est pour justement cultiver des arbres, pas pour aller les couper. C'est pas une tronçonneuse, ici, c'est ce que je veux dire. On a deux planètes, deux nouvelles planètes, mais qui n'ont pas d'aluminium, donc va falloir aller. Ouais. Ça va être ça le problème de la lumière, on va falloir qu'on cherche la lumière. Bon, on va se balader un petit peu. Sachant qu'on n'a plus beaucoup d'air. Hein. Y a pas une petite planète. Ah oui, d'accord, bah, va falloir qu'on retourne à la base vite fait. On va déposer tout ce qu'on a sur nous déjà. Ça sera pas. Enfin, un petit aller-retour. Je mine juste la fin de l'aluminium, mais pour le coup, j'aurais même voulu que tu m'aides parce que. De toute façon, on mourra pas hein, à la fin de l'aluminium. C'est juste que notre écran va tilter en rouge là. Et ça va être moche, c'est tout, c'est juste ça. À part ça, voilà, je l'ai mis vite fait les 137, mais là j'en ai fait que 20, un truc comme ça là donc. Et puis après on va. Ouais, je pense que ce serait déjà pas mal qu'on ramène tout ce qu'on a sur nous. On pose ça en vrac, je sais pas où, on s'en fout. Hein. Ce qui compte, c'est qu'on vide ça peut-être dans un des coffres, un des coffres qu'on avait là. Et puis par contre, ce qu'on a à recycler, là faudrait juste qu'on le pose en fait pour le moment pour le recycler justement plus tard parce que. Il va nous faire chier aussi sur nous. Attends, Oui, y a un problème. Ah non, c'est vrai que c'était bugué l'aluminium. Ils y vont maintenant.
Ça a été réparé. Il y a une mise à jour qui a réparé. Attends, pourquoi ils y vont tous tout à coup là? Qu'est-ce qui se passe hein? Ah, parce que là, je les ai mis en mode aluminium. Ouais, mais alors attends, ah oui! Ah oui, donc c'était pas un. Prends dans la foreuse. C'était bien un bug en fait qu'on avait. Ouais. Bah, je crois que je me suis mis en attendant. Hein. D'un coup là. Non, mais je continue en fait moi. Parce que là, eux ils vont les ramener, mais bon, sauf que. Ah bah, j'ai encore les... crash. Il faut quand même les aider. Ah, ok. Bon, dans ce cas-là. Là, par contre, ça c'est pénible qu'on ait ces problèmes-là. Je sais pas si c'est parce qu'on est passé sur notre planète, mais en tout cas, ça pose problème. Bon, ce qu'on fait les viewers du coup, c'est qu'on va sauvegarder. On va refaire une ellipse et puis on se reprend de suite. Allez, ellipse! Voilà, on se reprend. Donc du coup, on est, on a terminé de miner un vite fait ce qu'il y avait ici. On a plus d'oxygène au passage. Je vois qu'aussi j'ai un, j'ai comment dire, un point vers Pretoria qu'on s'en fout. Voilà, je vais l'enlever maintenant. Et puis, ce qu'on va faire, on va partir parce que là, on a plus d'oxygène. Du coup, ça va devenir chiant pour vous. On va juste ramasser ce vite fait ce qu'il y a. On y arrive là, ouais. Normalement, tout est dans le coffre hein, ici. Je vais les vérifier, mais on a nos minerais qui sont ici. Cool. Parfait. On y trouve les 2-3 arbres là et tu vides. Hein. Les arbres, bon, les arbres, on s'en fout un peu. Je ramasse tout moi pendant ce temps, d'accord. Il y a du bois, après... à mon avis, c'est que ça va être utile à un moment donné. Oui, oui, non mais je sais, mais on pourra revenir ici après. C'est juste que les arbres, c'est chiant à miner. Enfin, ça donne deux à chaque fois là. C'est. En attendant que tu. Mais le problème c'est que les mines, je peux pas les ramasser par exemple. Tu vois. Là pour le coup. Parce que là non, il faut tout ramasser à la base. Hein, vas-y, parce que là il y a du boulot à la base. Il y a vraiment du boulot. Ah là. Oui, il y a plus rien. Ok. J'enlève tout moi. C'est ça le but. C'est pas juste pour me barrer. J'enlève tout, donc ça aussi je peux l'enlever. Voilà. Bon, c'est vrai que par contre, quand on meurt pas, c'est un peu cheaté quand même, je veux pas dire, mais. Les vaisseaux, tiens, je vais les détruire. Enfin, les drones, parce que du coup, on peut plus les ramasser, je vous rappelle, hein, ça, on l'a vu. Juste sur notre planète avant, ça c'est fait. Mais il reste plus que les panneaux solaires, mais on est obligé de garder les panneaux solaires celui-là là, pour alimenter le dock. Sans pouvoir revenir dessus. Et puis après tout le reste est fait là. Non mais par contre celui qui est en bas là tu peux les enlever ceux-là. Je suis en train de faire. Ouais d'accord ok. J'ai l'impression que ça bougeait pas. Ce qu'on va faire du coup on va retourner déjà à la base pour vite fait déposer nos affaires quand même parce qu'il faut qu'on dépose nos affaires Rick. Eh oui. Là, on a... enfin après ça a rien d'urgent en fait c'est juste qu'on va avoir du mal à ramasser ou pas. Ok monte dedans, descend. Attends. C'est bon. Oui c'est bon pour toi. Ouais à part que j'ai la caméra qui est buggée attends. Alors ça c'est super bizarre parce que moi je l'ai pas celui-là. Vas-y, je vois de biais maintenant. Voilà, attends, une seconde, tu vas vers où là déjà? Vers là où il y a les lasers. Sur le. La planète de glace, c'est là d'où on vient en fait. C'est notre planète, notre dernière planète. C'est ça. Par contre, on a toujours pas d'aluminium, je rappelle les vieux. Ça m'embête franchement ça. Je vais mettre les lingots déjà, tiens, à fond, voilà, directement quand ça va être fait. Et je te vois, t'es à gauche, t'as pas crash là par hasard? Non, c'est que j'essaye de retourner la caméra, mais. Parce que du coup, j'ai un doute, moi, là. Avec ça là, ça me perturbe. Je vais poser mon vaisseau quand même, bah, vite fait propre hein, quand même, faut pas déconner. On va le mettre là, hors de la zone, c'est pas grave. Et puis je vais poser ça à fondre, au moins ça. Voilà, comme ça au moins ça pourra un petit peu à fondre pendant que je serai parti, tout simplement. Donc comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Ah, il y a 3000 lingots à fondre, hein. J'espère oui qu'il y a tout à faire. Ok, l'aluminium on en a 97 quand même, donc je prends. Et puis les lingots je vais les rajouter ici. Alors les lingots du coup on est riche, hein, là il n'y a pas de problème. Enfin on est riche, je sais pas en fait si c'est riche ou pas, mais disons qu'on a de quoi voir venir. Voilà, pour être plus précis. Ici c'est continue de farmer, c'est parfait, parce qu'il nous faut les cartes mères, je vous rappelle. Et ici on s'en fout, parce que sinon ça c'est le stockage, il n'y a rien là-dedans, c'est normal. Donc c'est cartes mères et aluminium du coup, parce que là les cartes mères on a plus que l'aluminium. Hein. Et on est en train de bouffer de l'aluminium pour je sais pas quoi là. Qu'est-ce qui bouffe de l'aluminium? Qu'est-ce qui bouffe de l'aluminium? Ah bah l'aluminium je suppose que c'est pour les... Qu'est-ce qui... Attends une seconde là. Qu'est-ce qui bouffe de l'aluminium? Non, ça augmente, pardon, ça augmente. Ça diminue pas, ça augmente. Laisse tomber, y'a rien qui bouffe de l'aluminium en fait. C'est parfait. Okay. Donc nickel, parfait. Donc du coup on va pouvoir repartir essayer de trouver une planète, mais là j'ai peur qu'on n'arrive pas à trouver. Peut-être que ce qu'on peut faire, Rick, peut-être en attendant la fin peut-être de la vidéo, c'est terminer ce qu'on avait démarré. Et puis ça on le fera hors vidéo, hein, les viewers, on ira trouver une planète aluminium. J'espère qu'elle sera pas exploitée. Enfin exploitée, comment dire. Explorée. C'est pas un biome qu'on aura déjà vu, on va dire, voilà. Parce qu'il nous reste une planète encore rouge là qu'on n'a pas été voir, donc ça on le fera en vidéo, vous inquiétez pas. En attendant, nous ce qu'on va faire, c'est peut-être terminer le vaisseau, déjà essayer de naviguer avec ce vaisseau là qu'on a ici. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Donc pour ça, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de crafter des nouveaux éléments, donc à savoir la navigation. Ça sera beaucoup plus facile de bouger avec notre planète, là. Enfin, notre planète, notre vaisseau, notre gros vaisseau. Donc c'est ici, la navigation, là, voilà.
Donc ça, le panneau de commande, ainsi que le pilote automatique, mais ça c'est le pilote automatique, c'est une fonction. Hein. Par contre, le panneau de commande, faut qu'on fasse 4 robots. Pour faire des robots, c'est 2 cartes mères et 6 fils d'or, et ça se craft dans le... produit par le constructeur avancé. On a le constructeur avancé, on est d'accord. Hein. De toute façon, il va nous dire hein, si on... on l'a, c'est bon, non mais il est là, c'est parfait. Donc il nous faut des fils en or, donc ça c'est pas un problème, on a des fils en or, alors pas ici. Où sont les fils en or? C'est toi qui les as, les fils en or, je suis sûr. Toc, j'en avais, ouais. Parce que là, il n'y a plus rien. Là, c'est pas logique. Là. Les fils en or et les cartes mères. Les cartes mères que je vais déplacer maintenant. Alors, on va pas tout déplacer. On va essayer de faire. Attends une seconde. Juste vérifier d'abord. Ce temps qu'à faire, on va voir si on a besoin aussi pour faire des propulseurs, par exemple. Propulseurs, c'est. Les propulseurs plasma, c'est 8. On va en faire 4, donc 32. 32 plus les 8 qu'on a là, donc 40. Est-ce qu'on en a 40? 40 déjà fait chier, quoi. 40, 79, ça va, j'ai eu peur. Donc 40, je divise maintenant, ça va gagner du temps, ça va être fait. Du coup, là, j'en mets que 8, puisque on a dit que c'était 8 pour faire les robots. Les ordinateurs, pardon, et il faut des fils. Hein. Donc là, il t'en faut, si c'est 8, il t'en faut... La mémoire. J'essaie de compter quelque chose que j'ai oublié. Il en faut aussi. S'il en faut 8. 8 ici. Donc c'est 8 fois. Ah, c'est pas 8, du coup c'est. Ah, c'est 4. Ok, on a besoin d'en avoir 4. Donc 4, c'est. Donc c'est 24. 24 fils il te faut. Et puis il faut qu'on fasse aussi du verre. Donc là pour le coup, tu vois. Alors je sais qu'on en a déjà 4. Donc on va en rajouter 4. Et puis pour les moteurs avancés, vous voyez, on a déjà tout. Ça c'est brut, c'est bon, on les a. Donc parfait. Parfait, donc là c'est. C'est pour ça qu'il nous faut juste faire du quartz, faire du verre avec du quartz. Et là, ça se fait où, ça? Ouais, j'en ai lancé 200, là, dans la fonderie avancée. Ah d'accord, de 200, tu te gênes pas. Ouais, ça va arriver au fur et à mesure, là, en train de se crafter, tranquille. 200 tranquille, quoi, tu... Pas de problème. Ouais, j'avais sur moi. D'accord, bah, ouais, je sais pas si on en aura besoin, mais j'imagine qu'on devrait en avoir besoin. Donc, tu me dis que ça va arriver où, ça, du coup? Dans l'entrepôt de base. Dans l'entrepôt de base. De base. Quel entrepôt de base? Ah, le, voilà, le grand truc là-bas. Entrepôt de base, là. Là-bas, le grand truc est là-bas, là, celui-là. Exact, il y en a deux. Il nous en manque plus que deux. Hein. Moi, il m'en faut quatre, je vous rappelle. Et là, on pourra faire justement les ordinateurs. Enfin, il nous en faut quatre. Hein. Je dis une connerie, en fait. Non, mais c'est bon. Oui. On a déjà quatre, c'est bon. Quatre, il m'en faut quatre, ça fera huit. Huit, je peux faire les quatre ordinateurs dont on a besoin. Tout à fait. C'est bon, j'ai les quatre. C'est bon, parfait. Le reste, ça va être pour autre chose. Donc, je pose ici. Voilà, donc là, on a nos 8 et 8. Et donc là, normal. Non, on n'a pas nos 8 et 8 parce que j'ai pas encore fait. Mais je vais le faire maintenant. Je dis une connerie, en plus c'est pas du tout ça qu'il me faut, c'est pas. C'est les fils de fer, les fils d'or, ils sont où? Les fils d'or? C'est les fils d'or. Je les ai mis dans le conteneur de stockage là, le premier. Ah c'est bon, alors il y en a le deuxième. Il y en a ici, mais c'est pas ça qu'on veut. Voilà, c'est ça. Donc là j'avais dit qu'il y en avait besoin de combien? C'était 32, non c'est pas ça? Je crois que c'était 32. J'ai un doute, mais c'est pas grave. On va prendre les 32, on verra bien ce que ça fait. Hein, puis au pire, on a trop, donc c'est pas un problème. Donc je mélange tout, moi. Donc du coup, je mets ça ici. Ça va crafter normalement. Alors c'était pas 32, c'était 24. C'est pas grave. Voilà, donc j'en enlève 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, sur moi, j'en ai donc 8. C'est parfait. C'est pour éviter en fait de me perdre que je les enlève comme ça, les vieux. C'est pas pour être maniaque. Hein. C'est pour savoir en fait que ce que j'ai consommé, parce que j'ai peur en fait de mettre, vu que je mets tout en crafting illimité là, ça c'est un coup oublié, donc voilà, je veux bien faire les choses. Donc, ça prend vachement de temps, parce que c'est 46 secondes les ordinateurs, donc c'est pour ça qu'on fait bien de les faire maintenant. Parfait. Maintenant, le verre, parce que j'ai du verre là, et le reste du verre est là, pour info, voilà, ce que je vous avais dit, pas de problème, on avait donc bien les 4. Donc avec les 4 qui sont ici, ça m'en fait donc 8. Pourquoi j'avais besoin de 8 verres? C'est pour faire normalement les propulseurs, qui en demandent 2, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est bien ça, ou pas? Ou je dis encore une grosse connerie? Parce que c'est possible aussi. C'est une grosse connerie, c'est pas ça du tout. C'était la navigation qu'on avait besoin de 8. Donc la navigation, voilà. On va l'avoir avec les 4 ordinateurs qu'on va faire, plus les 8 verres. Voilà, c'est ça. Pour faire les moteurs avancés, ça n'a rien à voir. On a besoin de cartes mères, je les ai sur moi. On a besoin aussi de 10 hydrogène, donc je vais en prendre 40. Et de 6 lingots, et il y en a pile 24. Par contre, comment c'est que je les ai pile sur moi là? D'où ils apparaissent là? C'est toi qui les as? Je sais pas. J'en prends 24 ici. Et je prends 40 hydrogènes. Hydrogènes, ils sont ici. Alors attendez, il y en a d'autres là-bas. Hein. Il y en a d'autres là-bas, parce que normalement j'ai prévu le coup. Bah, voilà, 540. Donc vous savez quoi? On va prendre la totalité. Voilà.
et je vais les mettre directement dans le coffre, et puis je vais en garder 40. Voilà, comme ça, c'est en fait le con, je l'avais déjà fait avant, les vieux, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Je compte vite, je sais. Voilà, donc nickel. Donc maintenant que j'ai ça, où c'est que ça se craft? Parce que là, si on peut avoir les propulseurs, si on pose après la navigation, on va pouvoir avancer. J'ai un peu de mal, mais on va y arriver. Et ça se fait... je t'ai dégagé le promontoire. Hein, pour... Alors ça se fait comment? Pour installer les trucs. C'est pas indiqué comment on les fait, les propulseurs plasma. On les pose simplement. On les pose, j'imagine. Bah oui, on les pose, je suis con. Et tu m'as dit, excusez-moi, avec le doc, pardon. J'ai le promontoire, là. J'ai retiré les cols. Ah, ok. Ok, l'école. Ok, l'école qui est là-bas. Ok, c'est ça le promontoire, les vieux. Ok, il n'y a plus rien dessus. Donc c'était l'école, effectivement, des PNJ. Nickel. Donc maintenant, on va poser nos propulseurs. Nos propulseurs, donc, que je dois avoir dans K. Ça doit être dans les... Ah, par contre, ça va être où, ça? Alors là, soit on les a déjà sur nous. Propulseur électrique, c'est pas ça. Propulseur plasma. Est-ce qu'à tout hasard, je ne les aurais pas déjà dans mon inventaire en bas? Attendez, on va aller vérifier. Parce qu'il y a des choses, des fois, c'est très bizarre. Il y a des choses, en fait, où c'est étonnant que ce soit déjà là. Parce que là, je voyais la navigation, là, vous voyez, là, à droite, là. Alors, F48, ouais, tu l'as déjà. F48, alors, F48, ça, c'est le... Pour piloter. Pour pilotage, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas ça que je veux, moi, c'est les propulseurs. Les propulseurs, on les a pas, hein. On est d'accord, hein. Non, on les a pas, ok. Attends, il y a la barrière d'oxygène qui est en panne, ou quoi? Je sais pas, peut-être que c'est moi qui la vois pas simplement. Des problèmes de courant. Moi je la vois, la barrière d'oxygène. Ok, bon bah c'est. Et ça descend pas ton oxygène. Efficacité 78, réseau. Parce qu'on a pu sur 24 sur 66, pourquoi il y a des trucs qui produisent plus là? Très probablement. Faudrait qu'on vérifie qu'on n'a pas foutu de bazar. Donc je cherche moi pendant ce temps. Voilà, propulseur plasma il est là. Alors on va le mettre là. Voilà, c'est bon, ok. Et donc à partir de maintenant je. Ouf. Ok. Alors on va avoir un problème. On va avoir un problème, c'est que c'est énorme. C'est énorme et je ne sais pas où le placer. Parce qu'en fait... Surtout qu'il faut en placer 4. Bah, il faut en placer 4, ils font 2 sur 4. Hein. Alors là, si je peux en placer un là, tu vois, mais sauf que ça va faire crade, quoi. Non, attends, on va te rajouter une... Est-ce que tu peux me faire... Ouais, voilà, à côté des propulseurs, des anciens, des petits. Tu me rajoutes un 4 sur 2, s'il te plaît. Un 4 sur 2, c'est ça. C'est un 4 sur 2 ou 4 sur 3, attends. Attends, j'ai un doute, parce que attends, si j'ai une bêtise... Hop là, 4 sur 2. Attends, j'ai la fille. 4 sur 2, oh, c'est bien ça. Attendez. Attends, sans déconner, j'arrive pas de tomber. Alors, 4 dans quelle direction? Alors, 2 dans le sens. Le côté. Ça, le... je présume. Alors, c'est à dire. Où ça? T'es où là? Ah là, j'ai posé. T'es là, d'accord, ok, je vais te dire. Tu présumes. Tu présumes bien, c'est exactement ça. Ok. Alors, pareil de l'autre côté. Je vais le poser normalement. Est-ce que c'est dans le bon sens? Toi, la tronche, que ça? Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on... Ouais, c'est comme ça qu'il faut qu'on le mette. Voilà. Donc 4 sur 2, tu fais pareil de l'autre côté, à peu près par rapport au centre aussi, hein, pour être logique. Donc à côté des autres, en fait. Tu es juste à côté des autres, là, c'est parfait. Hein. Ah bah les autres, ils vont disparaître. Oui, ou les autres, ils disparaissent. Mais bon, pour le moment, on les pose juste... Ah, et tu veux me dire, je peux déjà les poser sur le dock, hein, si tu veux. Dock. Là, c'est placé, 4 sur 2. Ouais, nickel, ok, parfait. Donc dans ce sens-là, ceux-là. Voilà, on va les relier en fil électrique aussi. Ici... Ah bah parfait, tu as commencé à le poser aussi, parfait. Donc là, dans ce sens-là, c'est parfait. Et là, pareil, l'autre bout, là, du coup. Bah c'est déjà posé, nickel, parfait. Maintenant, il faut poser les fils électriques. Alors, poser les fils électriques. Est-ce que t'en as sur toi des fils électriques? Non, je l'éteins avant, oui, c'est bon. Nickel. Tu t'en occupes, du coup. Moi, j'ai terminé avec le panneau de navigation, là. Ah ouais. On va voir si... Je vais virer les autres. T'es sûr que c'est un panneau de navigation, tu sais, à la Thor, là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir, ça va être ça. Enfin, en tout cas, c'est la tête de ça. Et donc, t'as dit que c'était un F48, je confirme. Ok, normalement, on a tout là pour les faire. On a les 4, ordinateurs et on a les 8 verts. Donc, normalement, c'est bon. Pour le faire, eh ben, y a plus qu'à le faire, justement. Voilà, donc c'est ça. Ouais, je confirme. C'est une tête vraiment de. Alors, est-ce que maintenant on a un sens? Est-ce que comment ça fonctionne? J'imagine que. Oh là, oui, alors sur le promontoire, ça va être un peu bizarre du coup. Oh, ça fait classe. Franchement, ça. Tu l'as déjà utilisé ça? Ouais. C'est le dernier truc que j'avais débloqué pendant la bêta. Voilà. Ça ressemble à ça. Est-ce que c'est alimenté? Alors, ça me dit, pour info, qu'il y en a plus qui sont reliés que ce que tu dis. Les petits comptent aussi dedans. D'accord. Ouais, les petits comptent aussi. Donc là, il me dit qu'il y a un gros dans les 4 directions, exact. Et qu'il y en a 3 devant, 3 à droite, 2 à gauche et 1 derrière. C'est ça ou pas?
Hop. Bah là tu l'as enlevé, on va voir si ça fonctionne. Ouais c'est bon, à l'arrière il me dit bien qu'il n'y en a plus que un. Un gros. Ah c'est super bien fait, franchement là je suis impressionné. Est-ce qu'ils sont alimentés? Pourquoi c'est écrit 0? Ah oui c'est parce qu'on les a pas encore alimentés. Je peux essayer, je peux essayer. Ah attends deux secondes. Faut que je règle ce problème d'énergie là. Ah t'as un problème d'énergie? Ah oui oui parce que du coup on a déjà un problème d'énergie de base. Ah mais attends, hey, le concasseur là. Après on peut tout couper. Le concasseur de glace, ah, c'est parce qu'on a relancé. C'est parce qu'on a relancé, attends, bah oui, parce que d'habitude je coupe tout. C'est pour ça, donc on n'a pas de problème. Ah bah le problème, ouais, c'est voilà. Que là, il y a des choses qu'on peut pas couper. Là pour le coup, là, il y a des choses que tu ne couperas pas. Hein. Non, mais les docks, les harpons, je les coupe. Ça sert à rien. Mais déjà, ouais, ouais, bah il y a plein de choses que tu peux. C'est pareil, les petits propulseurs, mais les petits propulseurs, tu les as enlevés déjà. J'ai affirmé en même temps, tiens, la bouffe des. Je vous ai vu qu'on est bien niveau bouffe, hein. Pour les PNJ, il y a de quoi faire. Sachant que lui, il doit continuer à en faire. Oh la vache, il y en a 242. Ah, c'est quoi la bouffe en fait? Bon, on va laisser ça comme ça, hein, parce que j'imagine que quand on aura d'autres PNJ, ça va être beaucoup plus limite. Mais on a 511 petits pains. Hein. C'est magnifique. Du coup, on est comment au niveau énergie là? Là, on est en excédent là, mais c'est. Parfait, bah c'est parti là, non? On fait pas le coup de oui. L'espèce attends, de souris là, la torche, le caillou là? Vas-y. Que je remets quand même des petits panneaux vite fait. Par contre, il y a un truc qui m'épate, c'est que c'est écrit sur arrêter. Arrêter quoi? Ah, c'est pilote automatique, arrêter, ok. Et ça, c'est, je pense que c'est la force. Je pense que c'est la force. Vitesse et navigation et vitesse, tout du coup, c'est la vitesse. Donc, moi, on va essayer de reculer. Ah, c'est pas encore allumé. Hein. Ah, c'est bon, là, je peux reculer. Est-ce que j'essaye là de reculer ou pas? Là, on est toujours attaché à la planétoïde. Hein. Je sais pas, ouais, ouais. Ah oui, bah, ça va nous tirera pas très loin. Ça va nous détacher, si je tire dessus, tu verras que ça va nous détacher. Ouais, bah... Tu le déconnectes du coup ? Allez, désamarrage. Alors attends, parce qu'il y a des trucs qui sont en train d'arriver, là. Et qui sont passés, je désamarre. Par contre, il y a un truc qui m'épate, c'est comment on fait au bas ? Nord, sud, est, ouest, comment on fait au bas, en fait ? Un truc que j'ai pas compris, là. Bah parce que normalement, il faut les mettre dans les... En mettre aussi en haut et en bas, mais on peut pas. Non, c'est pas indiqué sur le plan en tout cas. Hein. Ah, attends. Bon. Et si. Attends, t'es dedans là. Ouais, ouais, mais le problème c'est que je. Regarde. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait là? Non. Regarde. Quelque chose? Oui, je déplace le truc. Non. Ah oui, le oui, mais oui, non, mais c'est pas ça. Ça, à mon avis, ça c'est. Si, ah, comme pour les petits, comme pour les petits, quand on bougeait le. Bon, est-ce qu'on est détaché là? Est-ce qu'on est détaché? On est détaché. Ah non, c'est up and down. Regarde, up and down, up pour monter. Moi j'aurais dit que c'était la vitesse, moi ça. Mais bon, c'est pas grave. Non, regarde. Attends, pourquoi c'est pas allumé là? Tu viens de faire quoi là? J'ai tourné à zéro. Mais sauf qu'on n'est pas allumé là. Que regarde dans le réacteur, regarde dans le réacteur. Parce que c'est éteint, c'est pour ça. Regarde dans le réacteur. Dans le réacteur, dans le panneau de console de contrôle. Non, l'autre. Dans le réacteur. Dans le propulseur, tu veux dire. Le propulseur. Est-ce que ça bouge? Oui, ça bouge, oui. Voilà. Mais attends, comment on les allume maintenant? Ils veulent pas s'allumer. Enfin, en fait... Ah, c'est ça qu'il faut faire? Non, c'est pas ça qu'il faut faire? Non, ok. Comment on les allume? Attends, faut les allumer. Voilà. Attends, je vais les allumer. Si on les allume, ça va partir. Ouais, ils sont à zéro, là. C'est ça qui m'embête, moi. Ils sont à zéro. Voilà. Est-ce qu'on est déconnecté? On est déconnecté, ils sont tous allumés, ils sont tous à zéro. Vas-y. Voilà. Pourquoi ça marche pas là? Là, tu montes là. Ah, ça bouge pas là. Ah, si, ça bouge. Ah, ça bouge, j'avais pas vu, d'accord, j'ai regardé par rapport ah, oui, à, tu montes, là. À un point qui était pas fixe. Ok. Ok, si je fais ça, il se passe quoi là? On est arrêté ou pas? On est arrêté. Ah, si t'appuies okay. Sur arrêté, on est arrêté. Ouais. Et donc, si je fais un truc comme ça là, par exemple, il se passe quoi là? Là, on va sur la gauche. Ah, bah non, c'est pas logique là. On va à gauche. Bah là, je l'ai mis en plein nord. T'as un truc pas logique là. Ouais parce que en fait t'es pas forcément orienté dans le sens. Et comme ça là ça fait quoi là? Et là on va tout droit. Ah bah ouais bah là c'est est. Ok donc ça veut dire qu'on est pas bien placé effectivement. Ouais là. Faut que tu le retournes. Bah mais c'est débile en fait. C'est donc notre vaisseau en fait il est pas dans ce sens là, il est comme ça, ouais voilà. Non dans l'autre sens pour le coup. Non dans l'autre sens. Parce que là attends, ouais c'est ça, c'est dans l'autre sens. Si je fais ça là en avance ou on recule? Là, on avance. Dodo, ouais, donc c'est bon, c'est dans le bon sens. Ok, autant pour moi. Et donc là, si on fait ça, est-ce qu'on recule? Regardez, on par recule. Rapport... Ouais, c'est bon, nickel.
Ah mais ça c'est ridicule du coup on est de travers dès le début. Bon bref, bon bah écoute voilà. Alors j'imagine que si on en rajoute ouais du coup on va on le déplacera plus tard ça. En fait j'ai déplacé l'école pour rien, c'est là-bas qu'on aurait dû mettre le cockpit. Bon, c'est pas vraiment gênant. Non mais c'est bien qu'il soit là aussi, je sais pas, ça me gêne pas en fait, mais ouais. C'est juste que ce qui m'embête c'est plutôt qu'il est tourné en fait par rapport à l'escalier, tu vois, c'est, je sais pas, c'est bizarre. Ouais bah on peut déplacer l'escalier après. Je sais pas, oui on déplace éventuellement l'escalier, mais sauf qu'on est de côté pour piloter, ce qui est ridicule. Normalement t'es censé, tu sais, par rapport à la droite-gauche, c'est censé être au milieu. Après, avant-arrière, c'est moins un problème. Ouais. La droite-gauche, c'est au milieu. Et là, c'est pas le cas. Ouais, mais non, mais de toute façon, on s'en fout, parce que ces trucs-là, tu pilotes... Y a un... Tu pilotes pas à vue, là. Attends, pourquoi il veut pas dégager le truc, là? Là, tu le vois, le... Il est dans le rayon tracteur. Ah, il a tiré par quelque chose? Ouais. D'accord, j'ai pas vu. Bon bref, donc du coup ce qu'on va faire les vieux, on va se laisser ici, hein. Je sais pas si ça aurait été passionnant pour vous, j'imagine que ça on va l'apprendre à le maîtriser, mais vous avez compris au moins pendant cet épisode, et eh ben qu'on a réussi à faire donc des propulseurs avancés, un truc de pilotage avancé, ça va vachement nous aider plutôt d'aller à la main pour les déconnecter, comme ça c'était naze. Oh, j'ai un gros dépôt d'aluminium. Et on a surtout posé, et ça c'est nickel, alors il est où le dépôt d'aluminium? 1800, enfin il y a que 1849, mais c'est à Tressaria Holo. Ouais, et ben celui-là, ça va être pour la prochaine vidéo qu'on va y aller. Si on trouve parce pas mieux en cours de chemin. Parce que c'est une planète rouge. Et ça, j'ai envie qu'on le fasse en vidéo. On l'a pas fait encore. Exactement, c'est pour ça que ça tombe hyper bien. Alors du coup, je sais pas si on sera en ellipse ou si on posera tout vite fait. J'imagine que toi, c'est facile hein, de poser ça vite fait. Deux ? Pour y aller ? De poser tout le truc là-bas vite fait, ouais. Tout le matériel, la mine, tout ça, j'entends. Oh, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ? Il descend. Non, pas maintenant. On va d'abord se laisser et se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.